Nous sommes en train d'étudier comment le croyant doit affermir son appel et son élection. We are studying how the believer should strengthen his call and his election. Autrement dit, quel travail faut-il faire pour devenir mûr en Christ et faire l'œuvre de Dieu avec succès? In other words, what is the work that a believer must do in order to become mature in Christ so that he can do the work of God with success? Quand Dieu appelle un croyant, when God calls a believer, l'appel équivaut aussi à un enrôlement au service. The call is also an enrollment to his service. Dans l'appel, il y a le salut. We have the salvation qui t'est proposé, which is proposed to you, qui est pour toi ton gain éternel, which is for you your eternal gain, ce qu'un homme ne pourra jamais t'arracher, what a human being can never take from your hands. Et puis il y a le service que tu vas accomplir. And then we have the service that you are going to accomplish. Dans l'élection, in the election, il y a en plus du service, we have, in addition to the service, il y a un poste. There is a position. Il y a une position, une nomination. There is a nomination. Il y a les enfants d'Israël, we have the children of Israel, qui doivent servir Dieu, who must serve God. Mais il y a Moïse, and we also have Moses, qui doit les guider, is to guide them. Donc dans le peuple de Dieu, so in the people of God, il y a les guides. They have the guides. Ce sont des élus. Those ones are the elected. Mais le peuple de Dieu est constitué d'appelés. But the people of God constitute those who are called. Dieu t'appelle. God calls you. Et Dieu te nomme. And God nominates you. Pour certains, les postes sont visibles. For some, the positions are visible. Les apôtres, the apostles, on le voit d'une manière évidente que celui-ci est plus grand que les autres. We can see in an evident way that this one is the greatest. Donc Dieu te confie une mission. So God entrusts you a mission. Et on a vu qu'il y a l'appel à être, l'appel à devenir. We have seen that we have the call to be, the call to become. Et il y a l'appel à faire. And we have the call to do. Et nous avons évolué dans l'enseignement. We have gone forward in the teaching. Nous avons pris l'exemple de certains apôtres comme l'apôtre Pierre. We took the example of apostles like Peter. Nous avons vu ce que Pierre enseigne. We saw what Peter teaches. Pour devenir ferme. In order to become strong. Nous avons vu ce que l'apôtre Paul enseigne. We also saw what Apostle Paul teaches. Et quand je me préparais pour enseigner sur ce que l'apôtre Jean enseigne, when I was getting ready to teach on what Apostle John teaches, c'est là où le Seigneur a ouvert mon esprit. It is there that the Lord opened my spirit. Il m'a dit, he told me, même le frère Zach a reçu des consignes sur comment devenir mûr en Christ. Even brother Zach received some advice on how to become mature in Christ. Comment affermir son appel et sa vocation. How to strengthen one's call and one's election. Et nous avons donc ouvert une page pour étudier ce que Dieu a révélé au frère Zach, c'est-à-dire le père fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce que Dieu lui a révélé pour avoir des enfants en Christ qui sont forts, fermes dans la foi et qui deviennent des grands serviteurs de Dieu. Therefore, we immediately opened a page to teach what God had revealed to the father founder of our mission, the CMFI, to strengthen those who believe in this mission. Les choses que Dieu lui a révélées, the things that God revealed to him,
ont été communiqués au peuple sous deux formes. Have been communicated to the people under two forms. Il y a sous forme d'enseignement. First of all, under the form of a teaching. Et il y a sous forme de prophétie. And secondly, under the form of prophecy. Et nous sommes encore sur les choses que Dieu lui a révélées sous forme d'enseignement. Right now, we are still on the things that God revealed to him under the form of a teaching. Des choses qu'il a communiquées à l'église. Par les enseignements. Things he communicated to the church through teachings. Nous avons parlé de la formation des disciples. We spoke about the making of disciples. Quand on étudie la formation des disciples, when we studied the training of disciples, the making of disciples, rien que cette vision, only this vision, et ses différents points de doctrine, and its different points of doctrine, les croyants ont déjà ce qu'il faut pour grandir rapidement en Christ. Believers already have what they need to quickly grow in Christ. Et il lui a parlé de certains combats que le croyant doit mener. And he also taught him some warfare, some battles that a believer must go through. Le combat contre la chair. The battle against flesh. Il lui a montré comment le croyant doit avoir un but clair. He showed him how a believer must have a clear goal. Et il lui a montré comment le croyant doit avoir chaque jour des objectifs dans la poursuite, dans la recherche de Dieu. He also showed him how a believer must have daily objectives in the pursuit, in the search of God. Quand tu n'as pas de but clair, when you don't have a clear goal, tu vas tourner comme le pasteur et son épouse tournaient ici l'autre jour. You will turn around as the pastor and his wife demonstrated it last time. Ce qu'on doit ajouter, what we need to add, c'est que ton faiseur de disciples, is that your disciples maker, peut te donner un but en attendant que Dieu se révèle à toi personnellement. Can give you a goal before you receive a clear revelation. Et c'est ce qui devrait être fait. It is what ought to be done. Chaque faiseur de disciples, each disciple maker, doit enseigner à ses disciples, must teach his disciples, c'est-à-dire aux frères, that is the brethren, qu'il encadre. That he is leading. Comment avoir un but clair. How to have a clear goal. Et c'est en fonction de ces buts qu'on définit les objectifs quotidiens. And it is according to this goal that we define our daily objectives. Et c'est en fonction des objectifs quotidiens qu'on rend compte. And it is taking account of the daily objectives that we give account. Dans tous les domaines de la vie, in all the domains of life, s'il n'y a pas de but clair, if there is no clear goal, tu ne vas pas réussir. You will not succeed. Quand tu as un but clair, when you have a clear goal, tu auras une conduite sélective. You have a selective way of leading yourself. Tu verras que ta vie rejette certaines choses. You will see that your life rejects some things. Parce que ces choses te perdent le temps. Because those things waste your time. Tu auras des règles personnelles. You will have some personal rules. Et c'est ce que Paul avait fait. And this is what Apostle Paul did. Il dit qu'il s'est imposé toute espèce de règles. He says he imposed on himself et d'abstinence. Any kind of rules and abstinences. Ce n'est pas quelqu'un qui lui a dit ne fais pas ça, fais ça, ne fais pas ça, fais ça. He did not receive those teachings, those regulations from anybody. Il savait que pour atteindre son but, il devait courir. He knew that in order to achieve his goal, he needed to walk, to run. Nous avons vu comment Dieu lui a parlé du renoncement. We saw how God spoke to him about renouncement. Et il disait que ceux qui ont enlevé de la prédication le renoncement ont enlevé la substance même de l'évangile. And he was saying that those who have removed renouncement from the preaching have removed that which is the substance of the preaching.
Parce que tant que tu es préoccupé par ton bien-être, because as long as you are preoccupied by your well-being, tes plans, your plans, ton désir d'être grand, your desire to be great, il n'est pas dit que tu ne dois pas être grand. Il faut être grand pour qui? Pour Jésus. It's not said that you will not become a great person, but you need to be great for Jesus. Dans tes plans, je dois ajouter plans personnels. So we'll add your personal plans. Il y a des gens, tant qu'ils se portent bien, ils n'ont pas le temps pour les autres. There are some people who never have time for others as long as they feel well. Ils sont très très préoccupés par leur propre sécurité. Their only preoccupation is their own security. Paul dit, je ne fais de moi-même aucun cas de ma vie. Je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Paul says, I do not make of my for myself any. I don't bother for myself. Comme si elle m'était précieuse. As if my life was precious. Pour un enfant de Dieu. For a child of God. Sa vie. His life est consacrée. Is consecrated. À l'évangile. To the gospel. Il a donné sa vie à Jésus. He has given his life to Jesus. Et d'une manière plus pratique. And in a more practical il way. Il a consacré cette vie à l'évangile. He has consecrated this life to the gospel. Et pour ceux qui sont aînés parmi nous. And for those who are the elders. Ils peuvent rendre témoignage que ceux qui n'ont pas fait le peu que nous avons reçu n'ont pas fait de progrès. They can give the testimony that those who did not obey the little that we have received ceux qui n'ont have pas not fait, made progress. Ceux qui n'ont pas fait de disciples. Those who did not make disciples. Ceux qui n'ont pas permis qu'on fasse de disciples. Those who did not allow that disciples be made. Ceux qui n'ont a combattu la chair en la crucifiant. Those who did not fight the flesh by crucifying it. Tous ceux qui n'ont pas de but. All those who don't have goals. Tous ceux qui ont ignoré le dépouillement et le renoncement. All those who ignored the renouncement. Ils ne sont allés nulle part. Have gone nowhere. Et s'il n'y a pas de changement. And if there is no change, ils n'iront nulle part. They will not go anywhere. L'apôtre Paul conclut en parlant à Timothée, dit, tes progrès seront évidents pour tous. Talking to Timothy, Apostle Paul makes this conclusion. He says that your progress will be obvious for après everybody. Après lui avoir donné ses conseils, after having given him all these advice, il lui demande de s'attacher à l'enseignement, à l'exhortation, à la parole. He was asking him to be bound to the advice, to the teaching. Et lui disait, tes progrès seront évidents. And he said, your progress will be obvious. Va vers un frère qui ne lit pas la Bible. Go toward a brother who doesn't read the Bible. Si un frère ne lis pas la parole. If a brother doesn't read the word of God. S'il te dit qu'il vit dans la sainteté, ne crois pas. And he tells you that he has a holy life, he is lying. Ne crois pas. Don't believe. Concernant les choses que le frère a reçues par prophétie. Concerning the things that Brother Zach received by prophecy. Le Seigneur lui a révélé qu'il y avait 13 choses. The Lord revealed to him that there were 13 things. Qu'il faut rechercher avec amour et avec persévérance. That need to be sought out with love and perseverance. Il y a la délivrance de tout péché. We have a deliverance from any sin. La délivrance du péché est incontournable. The deliverance from sin is a must. Il y a deux doctrines. We have two doctrines. Une est vraie, une est fausse. One is true, the other one is false. Il y a des gens qui pensent que quand tu crois en Jésus, there are some people who think that when you believe in Jesus, tu jouis d'une faveur
très étendue de la grâce de Dieu. You have a fervor, a very extended fervor of the grace of God. Donc, tu peux voler, mentir, commettre l'adultère, tu n'iras pas à l'enfer. To the extent that you can steal, you can commit adultery, you can commit any sin, and you will not go to hell. Et c'est une vieille doctrine. This is a very old doctrine. Nous avons lu un jour le témoignage de Finney qui avait rencontré certains d'entre eux. We got the testimony of Finney who met some of them. Il avait rencontré quelqu'un qui lui disait que le péché n'existe pas. He met somebody who was telling him that sin does not exist. Que sauf si toi-même tu crois que c'est le péché, là c'est le péché. He said, lest if you yourself you believe that it is a sin, then it will be a sin. Donc Finney était lui demande, donc si j'entre dans une boutique. Now Finney asked him, so you mean that if right now I enter a store, je commence à ramasser tout ce qui est dedans sans permission, and je I start ne collecting pas. Taking whatever is in this store without permission, je ne pêche pas. He says, no, you are not sinning. Et dis donc, toutes les femmes du monde là t'appartiennent. Il dit oui. Now Finney said, so you mean that sauf si ça les ennuie. All the women of the world belong to you. He said, yes, they belong to me. Donc, il a conclu en disant que ce sont les premiers nés de Satan. So he concluded that those people are the firstborns of Satan. Enseignons aux gens. Let's teach people. Que Jésus-Christ délivre du péché. That Jesus Christ delivers from sin. Comment qu'on peut-il croire que Jésus délivre des maladies et ne pas croire que Jésus délivre du péché? How can a man believe that Jesus delivers from illnesses and yet not believe that he delivers from sin? Et j'encourage toute personne. I encourage anybody. Qui sait que son faisant de disciples vit dans le péché à se séparer de lui avant dimanche? Who knows that his disciples maker lives in a certain sin? I encourage him. He vit volontairement. He is living free willingly in sin. I encourage him to be separated from him dimanche, before Sunday. Si dimanche arrive que tu n'as pas changé, ça devient ton péché. If Sunday riches and that you have not changed, it becomes your own sin. Il dit, Dieu lui a dit qu'il faut rechercher la délivrance de tout péché avec persévérance. He says that God taught him that we must seek the deliverance from any sin in an all perseverance. En tout cas, je veux faire de cette étude le module numéro 1 de la formation des missionnaires. I'll make of this study the module number 1 in the training of the missionaries. Comment affermir son appel? How to strengthen one's call. Si on te donne une assemblée, if you are given an assembly, tu es élu, you are elected, veille sur toi-même. Watch over yourself. Sinon, tu vas tomber. If not, you will fall. Samson a tout reçu. Samson received everything. Mais il n'a pas veillé sur lui-même. He did not watch over himself. Il est tombé. And he fell down. Deuxième chose. Second thing. La délivrance de l'amour du monde. The deliverance from the love of the world. Chaque croyant. Every believer. Doit se battre. Must struggle. Doit lutter. Must struggle. Pour être délivré de l'amour du monde. To be delivered from the love of the world. Pour parler à son système, à son entendement. To talk to his system, to his understanding. Qu'il n'est rien. That he is nothing. Que les autres sont supérieurs à lui. That the others are superior to him. Tu dois tout faire. You must do whatever you can. Pour que tout ton être croit, accepte. So that all your being believes and accepts. Que les autres d'abord. That the others first. Et toujours. And always. Si tu n'as pas fait ce travail, if you have not done this work, il y aura un problème. There will be a problem. Il y a des maladies. There are some sicknesses. De la personnalité. Of the personality. Qui mine les gens.
that are destroying people. Où sont les deux missionnaires qui avaient la maladie de Pananuria? What are the true missionaries who have the sickness of paranoia? Vous allez avoir une idée de leur personnalité depuis l'enfance. You will Donc, have, si un miracle ne s'opère pas, you will have an idea of the personality since childhood. Donnez-leur des micros. If a miracle ils ont déjà sauvé, ils ne sont plus dans ces choses-là, donc ne les craignez pas. If a miracle is not performed, operated, c'est bon. Hard. Quand tu étais petit, quel était ton rêve? What was your dream when you were a child? Je suis le frère Konaka Aimé. I am brother Konaka Aimé. Donc depuis mon enfant, moi j'ai résolu de devenir président de la République de cette nation. So since my childhood, I was dreaming of becoming the president of the Republic of this nation. Donc depuis l'école primaire jusqu'au collège. So from primary school up to high school. Si je ne suis pas chef de classe, je suis sous-chef. If I'm not the chief of the class, I'm his assistant. En fait, il y avait l'impression que je ne veux pas que quelqu'un me domine. So I don't want anyone to dominate over me. Et je veux toujours diriger les gens. Ça, c'est mon objectif. And I always wanted to lead people. That was my goal. Donc, vraiment, c'est resté comme ça. Donc, je voulais jusqu'à quand il y a eu l'entrée en seconde. When I went to fifth form, j'étais premier dans mon école. I was top of my class. Et deuxième dans mon centre où j'ai composé. I was top of in Donc my school. Donc on m'envoie au lycée technique d'Abidjan. So I was sent to lycée technique of Abidjan. Donc là-bas, je me suis renseigné. Dans les renseignements, c'est devenir un ingénieur parce que je faisais filière industrielle. So there, I tried to take inquiries. And they told me that I was to become an engineer because I was doing industry. Voilà, Mac technologique. Donc c'était pour devenir un ingénieur technicien dans l'ingénierie. It was to become an engineer in technology. Donc quand j'ai comparé un peu mon ambition, when I compared the two goals, j'ai vu que si je reste dans cette série, je ne pourrais pas atteindre mon objectif. I realized that if I remain there, I would not be able to reach my goal. Donc du coup, il fallait changer de l'école. So I was to change my school. Donc, j'ai terminé la première, j'ai fait la seconde, j'ai fini la seconde, on a fini. I did the fifth form and I completed it. Donc, à la fin de l'année, ils nous ont donné des papiers, des trucs à remplir. At the end of the year, they gave us some forms to fill. Parce que la première année, c'est trop commun. Because the first year, we used to do it together. Donc, on devrait maintenant nous répartir en première E et puis So for the second year, we were to be organized into specialities. Donc moi, j'ai rempli pour moi me retourner à l'enseignement général. So I filled my form, meaning that I was to come back to general teaching. Parce que quand je me suis renseigné, on m'a dit que non, c'est pour devenir un ingénieur. Because when I took inquiries, they told me that I was to become an engineer. Donc je suis sorti de là pour venir faire maintenant. Continuer maintenant dans l'enseignement général. So I got out of there just to continue general teaching. Donc quand j'ai arrivé en terminale, j'ai demandé quelles sont les filières universitaires qu'on fait la politique. So when I got to upper sixth form, I asked the different orientation where I could do politics. Donc maintenant, je me suis renseigné avec les aînés qui sont dans les études. Ils m'ont dit qu'il y a deux filières. So they told me that there were two options. Droit. Law ou géographie ou bien histoire or geography or history. Donc quand ici en terminale, so when I got to upper sixth form, il y a un grand frère qui m'a dit que non, pour faire la politique il faut vraiment connaître l'histoire, et puis donc si tu veux faire ça il faut faire d'histoire ou bien géographie. So an elder brother told me that if I want to do politics I have to deal with to do geography or history. Donc, l'année là, quand j'étais en terminale, je possédais beaucoup l'histoire. That year, when I was in upper sixth form, I strived to master history and geography. Parce que je voulais atteindre forcément mon but. Because I wanted to reach my goal. Et annuellement, j'ai eu 16 de moyenne en géographie. And annually, I got 16 of average in geography.
et 14 en français. And 14 in French. Donc cette matière me permet maintenant d'aller en géographie. That topic, I mean subject, allowed me to go to deal with geography. Et quand il y a eu le bac, je suis allé faire préinscription. And when I got my A level, I went to make the registration, pre-registration. Donc, et puis les conditions m'ont retenu en géographie. So they kept me. I was retained in geography. Donc, j'étais content parce que je sais que je suis en cours de mon objectif. I was very happy because I was going toward my goal. Mais comme on dit à chacun à ce truc, mais Dieu a ses desseins qu'il veut accomplir dans notre vie. But as we used to say, each one has his ambition, but God also has his goals. Passe à l'autre. Mais il est déjà un enfant de Dieu authentique. But he is already a genuine son of God. Il est candidat missionnaire. He is a missionary candidate. Mais il y a des petites choses qu'il faut enlever du moi. But there are little things that we have to remove from the self. C'est ça que nous étudions ce soir. That's what we are studying tonight. Voilà. Lis-nous d'abord la définition de paranoïa. Pour que les frères comprennent ce que ça veut dire. Quelqu'un qui a son dictionnaire dans le cellulaire. Là. Beaucoup sont dans cette condition. Lui, c'était pour d'autres, ils veulent être des grands dirigeants spirituels. Others would like to be great spiritual leaders. C'est pas que c'est mauvais. It's not that it's bad. Mais est-ce que tu es normal? But are you normal? Paranoïa, psychose caractérisée par la surestimation du moi. It is the overestimation of the self. Et un délire interprétatif construit sur une perception faussée du réel. They have a fake perception of the real, of real. What is real? Je relis s'il vous plaît. I take it again, please. Psychose caractérisée par la surestimation du moi. It is an overestimation of the self. Et un délire interprétatif construit sur une perception faussée du réel. And it is a perception, a fake perception of the real, of reality. Ok, vas-y, prends la parole. Gloire à Dieu. Et moi, c'est le frère Ouattara Kpampo Emmanuel. I'm brother Ouattara Emmanuel. Candidat missionnaire. Missionary candidate. Et mon fils d'ici, c'est le pasteur Meunier. My disciple maker is Pastor Meunier. Je rends grâce à Dieu parce que le Seigneur m'a délivré. I give thanks to the Lord because the Lord has delivered me. Parce qu'à l'âge de 5 ans, when I was 5 years old, et je rêvais à devenir président de la République. I was dreaming to become a president of republic. Pour une chose, for one thing, délivrer mes parents planteurs. Deliver my parents who are farmers. Parce que en ce temps, because at that time, et on achetait le cacao à 250 et le café à 150. We used to buy cocoa 250 and coffee 250 also. Donc à ce temps j'étais irrité. J'ai 150. Okay, thank you. Donc j'étais irrité contre toutes ces choses. So I was very upset against all these things. Et je disais comme ça que si je finis mes études, je serai président de la République pour pouvoir tout arranger. I told myself that if I finish my studies, I will become a president of the Republic in order to settle all these matters. Et arrivé au CP2. When I reached class 2, j'ai partagé ça à ma maman. I shared it with my mother. Et c'est elle qui m'a découragé. And she's the one who discouraged me. Et elle me disait comme ça, si tu deviens président, she told me that if you become president, tu mets la famille en péril. You will put the family in jeopardy. Et si tu tentes à devenir président, if you try to become president, je te renie de la famille. I will deny you from the family. C'est ça qui m'a découragé. That's what discouraged me. Et c'est après cela que j'ai renoncé. After that, I renounced. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a délivré. And the Lord delivered me. Que le Seigneur nous bénisse. May the Lord bless you. Il voulait être, tu voulais être chef de classe à l'école, non? Mais il est sous-chef. He wanted to become class prefect, yet he is a deputy prefect. Même à l'école des missionnaires.
Even at the school of the missionaries, il voulait être chef de classe. He wanted to be the prefect. Mais il est sous-chef, donc Jésus travaille déjà. But here he is a deputy prefect. Jesus is already working. Et il sera l'esclave des hommes. And he will be the slave of man. Il va laver les pieds des hommes. He's going to wash the feet of men. Comme Jésus-Christ. As Jesus did. Il faut tout faire pour tuer ton égoïsme. You need to do whatever you can to kill your egoism. Deux sœurs vivaient dans une même chambre. Two sisters were living in the same room. Une était hébergée par l'autre. One welcomed the other one. Un jour, one day, celle qui avait hébergé l'autre sœur est venue me voir. The one who was the owner of the room came to see me. Elle me dit, pasteur. She said, pastor. Je suis fatigué. I'm fed up. Que à la maison, l'autre sœur ne fait rien, absolument rien. At home, the other sister doesn't do anything, absolutely nothing. Elle me dit, quand elle trempe ses habits, c'est moi qui lave. Quand ça dégage déjà des odeurs, je suis obligé de laver. When she even soaks her clothes, she will not wash them. I'm obliged to come and wash them because of the scent. Elle me dit, she said, j'ai laissé expressément notre drap sur lequel on se couche pendant 3 mois sans laver. Je me disais, je vais voir comment elle va réagir. I decided not to wash our bed sheet during 3 months. Et jusqu'à ce jour, elle n'a pas touché. And unto this day, she has not touched our bed sheet. Elle me dit, le drap est devenu noir. She said, the bed sheet had become... Elle dit, je suis fatiguée. She said, I am tired. Il faut qu'elle parte. Please, she must go. C'est le moi. This is the self. Une telle saleté, c'est le moi. Such dirt, being dirty as such, this is the self. Tu vis avec quelqu'un. You live with somebody. Tu ne touches pas au balai. And you don't touch the tu broom. Tu ne touches pas à une assiette. You don't touch a plate. C'est le moi. This is the self. Tu t'aimes trop. You love yourself too much. Tu te reposes comme tu veux. You rest as you want. Tu te couches, tu te relèves à ton heure. You lay down and you wake up when you want. On lave tes habits, on lave tout. People wash your clothes, they wash. On prépare, tu manges. People eat, people cook and you come and chop it. Il y a des hommes qui ne peuvent pas reconnaître la contribution de leurs épouses. There are some people who can't recognize the contribution of the wives. Ils ont la conception de l'Afrique préhistorique de la femme. Those people have the conception of the prehistoric Africa about women. Ils grondent, ils dominent. They will be hurling. They will be dominating. C'est le genre qui dit, sort de ma maison. They will say, come out from my house. Le moi. The self. Il faut te battre. You need to struggle pour te conquérir. To conquer yourself. Pour Jésus-Christ. For Jesus Christ. Sinon, tu n'iras pas loin. If not, you will not go any far. Si tu es dirigeant, tu n'auras pas de suite. Les gens ne vont pas te suivre. If you are a leader, you will not have a suite. Nobody will follow you. Dieu même va les enlever. God himself will remove them. Pour les délivrer de ton esprit, parce que tu es un esprit. To deliver them from your evil spirit.
Il a dit, parlant de Judas, que un d'entre vous est un démon. Talking about Judas, he said one of you is a demon. Une autre chose, c'est la délivrance de l'amour du monde. Another thing is the deliverance from the love of the world. Le monde a sa conception du bonheur. The world has its conception of happiness. Le monde a sa conception de la vie. The world has its conception of life. Le monde a ses coutumes et ses traditions. The world has its customs and its traditions. Le monde a sa morale. The world has its own moral. Le monde a ses croyances. The world has its beliefs. Le monde a ses mœurs. The world has its evil things. Le monde a ses vices. The world has its vices. Le monde a ses joies. The world has its joys. Ses fêtes. Its fêtes, its festivals. Donc on peut aimer ces choses-là. So people can love these things. Quand tu aimes le monde, when you love the world, quand tu admires ses coutumes, ses traditions, son style, when you admire his customs, his traditions, his style, quand tu aimes ses vices, when you love his vices. Je causais avec un enfant. I was talking with a child qui n'avait rien du tout. C'est sa mère qui avait des moyens. A child who had nothing at all. Elle dit que quand ils vont en boîte, he said that when they go into pubs, ils achètent une bouteille de vin 360 ml. Ils gardent là-bas avec ton verre. On garde ça là-bas pour toi. They buy a bottle of wine. Tu bois un peu. One bottle of wine, 350,000. It is kept there for him. Vous voyez le style du monde. Can you see the style of the world? La vie du monde. The life of the world. J'étais en train de travailler pour la délivrance d'un jeune homme. I was working on the deliverance of a young man. Il me dit, who told me, j'ai joué aux cartes. I used to play cards. J'étais très fort. And I was excellent at it. Et quelqu'un lui a dit, ça, il y a des choses, si tu fais ça, non, tu seras très fort. And somebody told him there is something, if you do it with this, you will be much more excellent. Donc ils l'ont entraîné. So they trained him dans la vie des boîtes de l'homosexualité. Into the life of pubs and of homosexuality. C'est ça la vie du monde. This is, ce ne sont pas des images, il y a des paraboles. Il y a le monde, il y a la vie de Dieu. Of world. They are not parables. It is true. Ils l'ont entraîné. So they just put him into it. N'aimez pas le monde. Don't love the world. Il faut être délivré de l'amour, la très même. You need to be delivered from the love, from the attraction of the world. Fais tout pour que même la musique du monde ne doit pas t'attirer. Do whatever you can not to be attracted by the music of the world. Ceux qui aiment le monde sont des ennemis de Dieu. Those who love the world are enemies of God. Dans la sagesse de Jésus, in the wisdom of Jesus, le bonheur d'un homme, happiness of a man, ne dépend pas de ses richesses. Does not depend on his riches. Le bonheur dépend de la relation avec Dieu. Happiness depends on the human's relation with God. C'est ce que Jésus a enseigné par la béatitude. It is what Jesus Christ taught in the Beatitudes. Dans heureux ceux qui ont le cœur pur, heureux ceux qui ont, il n'a jamais dit heureux ceux qui sont riches. Happy are those who have a pure heart. Happy are those who are merciful. He never said happy are those who are rich. Pour Jésus, for Jesus, si tu souffres, if you are suffering, pour la justice, for justice, tu es heureux, you are happy, même si tu n'as rien à manger, even if you have nothing to eat. Mais le monde va te demander, qu'est-ce que Jésus te donne même? Est-ce que tu as une, qu'est-ce que Jésus te donne? But the world will ask you,
What does Jesus give you? La délivrance de l'amour des choses qui sont dans le monde. Deliverance from the love of things which are in the world. La délivrance de toute forme de fausseté. The deliverance from any kind of falsehood. Les demi-vérités. Half-truths. Les tricheries. The cheatings. La corruption, la fraude. Corruption, les fraud. Falsifications. Falsifications. Il faut être délivré de ça. You need to be delivered from it. La délivrance de toute forme d'immoralité sexuelle. Delivered from any kind of sexual immorality. L'immoralité habite d'abord le cœur. Immorality, first of all, lives in the heart. Et tu peux pécher par les yeux. And you can sin through your eyes. Tu peux pécher par les paroles. You can sin through your words. On dit l'immoralité dans le regard. Il y a les regards immoraux et pudiques. Immorality in the lookings. Il y a les pensées immorales, les pensées impudiques. There are some thoughts that are immoral. Il y a les touchés impudiques. There are some touches that are immoral. C'est-à-dire toute forme d'immoralité. We mean any kind même si of, c'est avec les animaux. Any kind of immorality. Même even, si c'est sur ton propre corps. Even that which is practiced with animals, even if it is practiced on your own body. Ce n'est pas ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. It's not your body, it's the temple of the Holy Spirit. Pendant la croisade, j'avais exhorté les frères que si quelqu'un a commis l'adultère, la fornication, il faut qu'il confesse devant quelqu'un qui est mûr en Christ, n'est pas caché. During the crusade, I had advised the brethren that if somebody had committed adultery or fornication, he should not hide it, that he should confess it before an elder brother or sister. La transparence chasse la folie. Transparency casts folly away. Si tu caches, if you hide it, tu vas commettre une deuxième fois. You commit it a second time. Si tu caches encore, if you hide it again, tu vas commettre une troisième fois. You commit it a third time. Et tu vas mourir. And then you will die. Même si tu es là tous les jours. Even if you are here every day. Est-ce que nous sommes ensemble? Please, are we together? La délivrance de l'amour du gain. The deliverance of the love of gain. Il faut apprendre à faire des choses d'une manière désintéressée. You need to learn to do things faire des choses pour l'amour et pour la gloire de Dieu. In a disinterested way, doing things for the love and the glory of God. La délivrance du cœur divisé. The deliverance from the divided heart. Il faut être à Dieu d'une manière totale. We need faut lui donner toute ta vie. To be to God or for God if in a total il way. Il ne faut pas douter que de la bonté de Dieu. We should not doubt about the goodness of God. Ne faut pas regarder en arrière. We should not look back. La délivrance de l'égocentrisme. Deliverance from ego. Neuvième point. Egocentrism. Point number 9. La délivrance des dettes. The deliverance from debts. Si tu es endetté, paye tes dettes. If you are indebted, please. Paye tes dettes. Pay your debts back. Si tu as dit à quelqu'un lundi prochain je te rembourse l'argent. If you have told somebody next Monday I will pay you back. Avant lundi, dans la nuit de dimanche à lundi, c'est déjà dans l'enveloppe. Before Monday, that is in between Sunday and Monday, the money is already in pocketed. Et si tu n'as pas de quoi payer, ne demande jamais le crédit, jamais. And please, if you don't have money to pay back, please don't ask a loan. Don't ask somebody to give you a loan.
Si un vendeur ambulant passe, if somebody is selling, si tu as l'argent, achète. Si tu n'en as pas, ne prends pas. And I have money in your pocket, please, you can buy it. If you don't have money, don't take it as a loan. Dis-lui, reviens le mois prochain à la même date. Tell him, come next month, same date. Ça va te permettre de te maîtriser et d'être patient. It will allow you to master yourself and be patient. La délivrance de l'égoïsme. Deliverance from egoism. Il faut apprendre à partager ce que tu as avec les autres. We need to learn to share what we have with the others. Il ne faut pas être heureux seul. Don't be happy alone. Si tout le monde a faim, tu prends un plat d'achéké, tu manges, les gens te regardent, tu verras que tu as honte. If everybody is hungry, c'est comme si tu volais. And you alone, you go and buy one plate of achéké and you eat it alone, you will be ashamed. Tu vas te concentrer sur le plat, tu ne lèves plus la face. For sure, you will be concentrated on your plate of achéké. You will not be able to raise your eyes. Il y a une sorte de honte à être heureux quand les autres meurent de faim, comme disait un philosophe. There is a sort of shame to eat alone when the others are also hungry. This is a philosopher who said it. Jean-Paul Sartre. Délivrance de la paresse. Deliverance from laziness. Délivrance du manque de but. On a commenté dessus largement. The lack of goal, we have commented it largely. 13 choses. 13 things qu'il faut rechercher avec persévérance. That need to be sought with perseverance. That ne fais pas une tentative et puis tu t'arrêtes. That is, don't make an attempt and you stop. Dis-toi que je dois m'établir dans ces choses. Tell yourself that I must establish myself in these things. Et tu seras béni. And then you'll be blessed. Tu seras inébranlable. You will be unshakable. Et quand Jésus reviendra, and when Jesus will return, les portes du royaume te seront largement ouvertes. The doors of the kingdom will be largely open to you. Nous verrons les routines prochainement. Next time, we will see the routines. Nous sommes en train de voir ce que Dieu a révélé à la CMCI pour être fort, pour que les croyants soient forts. We are seeing what God has revealed to the CMFI so that the believers could be strong. David nous avait dit dans les psaumes ce que Dieu avait donné comme recommandation pour lui, David. In the Psalms, David told us what God gave him as a recommendation for himself. Le Seigneur est en train de nous révéler que chaque peuple a ses lois, ses instructions données par Dieu pour sa santé spirituelle. God is revealing to us that each people, every people has the revelations given to him by God for its own strength. Donc nous allons nous tenir debout. So we are going to stand up. La première chose, c'est de dire merci à Dieu. The first thing is to thank God. De savoir que nous avons les outils. For knowing that we have some instruments. Que nous avons des paroles. We have some words. Dieu nous a guidés. Dieu nous guide. That God has guided us. That God is guiding us. Pour moi, cette manière de regrouper ces choses me donne la joie. For me, this way of grouping these things gives me joy. Je peux travailler donc pratiquement pour évoluer. I can therefore work practically in order to go forward. Dis merci à Dieu. Say thanks to God. Seigneur, merci. Oh God, I thank you. Merci. God, for your love. Merci. For CMFI. We thank you. We glorify you, Lord. Thank you, Heavenly Father, for your great love. Glory to you, Lord. Honor to you. Glory to you. Honor to you. Glory to you. Travaille dessus. Work on this. Produit un bulletin.
Go and produce a prayer bulletin. Médite sur chaque point. Meditate on each point. Que ça devienne ta révélation. So that it can become your revelation. C'est ce que je suis en train de faire. This is what I'm doing right now. Et je ne serai plus le même. And I will not be the same parce que anymore. Quand la parole de Dieu descend, because when the word of God comes down, c'est pour accomplir les desseins de Dieu. It comes to accomplish God's purposes. Nous serons forts. We will be strong. Et nous allons accomplir le but. And we will accomplish the goal. Mais le conseil est donné. But the advice is given. Celui qui s'éloigne de ça, the one who goes far from it, il est tout simplement un grand rêveur. Is simply a great dreamer. Prions ensemble. Let's pray together. Seigneur éternel, donne-moi la volonté. Oh Lord, give me the will. Donne-moi la force. Give me the will. Give me the will. Pour appliquer ces choses. Give me the will. Pour les vivre. Give me the will. Give me the will. Pour les pratiquer. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Et pour ceux qui ne le savent pas, mon interprète est devenu un enseignant chercheur. For those who don't know, my interpreter has become a teacher researcher. Donc Dieu est en train d'accomplir sa parole. God is accomplishing his word. Thank you. Que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you.